Donc là, je viens présir la cuve. Après une heure de maturation, donc on met la présure. Et puis ben, on va mettre les tranches caillées, on va attendre que ça caille. Ça va commencer par faire un sort de petit yaourt et pendant le temps de durcissement, ça va nous faire un petit beau gâteau qu'on va devoir découper avec nos tranches caillées. On va dire ça comme ça. Alors à Breno, on est à 9 producteurs, donc on est à 3,5 millions litres de lait à l'année à peu près. Donc là, on a attendu un temps de durcissement. Là, on voit très bien que le gel se casse parfaitement. Il se ramollit pas. Donc là, on peut commencer nos décaillages. Ouais. C'est jamais très répétitif parce que c'est vrai qu'on travaille une matière première qui bouge souvent, donc tous les jours faut se réinventer, faire d'autres choses, travailler son grain différemment. Là je suis en train de vérifier si mon grain il est prêt à être soutiré. Donc là il faut prendre un petit mélange, enlever tout le sérum et faire le test de pâton. Donc il consiste à prendre un poignet de grains et le serrer bien fort. Donc là on sent que ça cligne bien entre les dents, on a du lien. Donc là on est prêt à soutirer. Donc on voit qu'en séparant le grain se sépare bien. Donc là on va lancer notre soutirage. On va ouvrir les vannes sous la cuve et on va faire passer notre grain d'ici jusqu'aux moules qui sont là-bas avec les rehausses pour séparer physiquement entre notre grain et le petit lait. Bien apparaître en tout cas notre comté qui est encore tout frais, mais on voit déjà à quoi il va ressembler. On va procéder à la mise en place des plaques vertes. C'est vraiment une plaque de traçabilité qui va suivre le comté jusqu'au bout. On va mettre ces disques assez durs en plastique qui vont permettre de, quand on mettra sous presse, de presser l'ensemble du comté. Nous ne sommes pas des affineurs en tant que tels, du coup le comté va partir chez notre affineur qui est Mons et Terroirs. Donc au bout de 4 mois, on peut demander à notre affineur de nous ramener nos comtés pour qu'on puisse en tout cas les vendre dans notre magasin à nos clients.